Ça fait 8 ans. En tout. On a commencé petit, puis on grossit. 20 ans. Tu fais combien de voyages à peu près par année? À peu près une douzaine avec les Florides puis les loins que j'appelle là, l'été. Une douzaine par année. Pour l'instant, j'ai une deuxième remorque en préparation pour pouvoir en faire plus l'année prochaine, en 2018. Tu peux avoir selon la demande. Selon la demande, mettons à partir d'un groupe de 10, si la destination est facile à aller côté avion, hôtel et tout ça abordable, on peut partir comme un voyage pour inviter d'autres mondes à se joindre à leur groupe, là, qu'on peut aller jusqu'à 30 motos là, pour une remorque comme elle. Là. Mes autres remorques, c'est 26 motos, puis 16 motos, fait que, on peut quand même faire un bon gros groupe. Là. Ben, vous m'appelez d'avance, ça c'est sûr. Et puis, c'est comme je dis, minimum 10. Mettons qu'il y a une gang qui veut aller en Alaska, ben ça se travaille, ça se fait, tout se fait. Canada, États-Unis. L'équipement appartient à Fly and Ride. C'est ça, on s'occupe de tout de A à Z. On a un service de guidage qui réserve les hôtels, qui trouve les hôtels, excusez. Qui trouve les hôtels à bon prix sur le trajet qu'ils font. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces hôtels-là. Ça, on fait tout de A à Z. On ne laisse rien à sous-traitance. C'est mes assurances, c'est mes choses. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'entrepôt. Il n'y a aucune moto qui se transporte au lift. C'est tout embarqué en roulant dans ma van, comme on va voir tantôt. On va voir tantôt aussi comment c'est attaché. Tout. C'est vraiment sécuritaire. La musique, ça prend de la musique. Le monde aime ça, de la musique. Bonjour tout le monde! Je veux vous avertir qu'on a du café, des beignes, des muffins, des Timbits en attendant qu'on commence le chargement dans à peu près 15 minutes. Toutes les motos, même les miennes, sont attachées de la même façon, aussi sécuritaires une que l'autre. Comme une moto touring, comme une moto Pascal, quand ça n'a pas été modifié, c'est tout le temps de la même façon, il y a 6 points d'attache. Principale, c'est la fourche en avant qui l'empêche de basculer de gauche à droite, puis deux straps chaque côté en arrière qui l'empêche d'avancer et reculer sans trop écraser la suspension. On ne s'attache pas n'importe où, comme après les bumpers des trois roues, c'est pas très très solide. Je n'aimerais pas de marque, mais il y en a qui sont plus solides que d'autres. On peut s'attacher, là, pas la strap principale, mais une strap en cas qu'on appelle. La plupart du temps, c'est après les roues quand on pogne les traits. Les remorques, ben, c'est du cas par cas. Comme là, la remorque à Pascal, 7 points d'attache. Tantôt, j'avais dit 3 ou 4. En fin de compte, on a pris 7 pour être sûr. Ben, c'est plus large qu'une moto. Chicago qui vont faire la route 66. C'est ça, oui. La moitié à peu près qui débarque à Chicago, l'autre moitié à Las Vegas. Et puis c'est quoi tes prochaines destinations? Prochaine destination après ça, on les voit sur les pancartes par cœur. J'ai Sturgis et Calgary en même temps presque. Après ça, on a un autre Las Vegas à l'automne, fin septembre. Après ça, c'est les Snowbirds de la Floride qui veulent faire apporter
deux motos en Floride. Hey, un gros merci, Martin. Ça fait plaisir. Super, en tout cas, c'est le fun à part de ça, parce que oui. Quand on arrive ici, c'est le party. Il y a la musique, il y a les beignes, le café le matin, puis des fois plus tard, il y a d'autres choses. Mais il y avait de l'eau et du café ce matin. Oui, il s'occupe de nous autres, c'est le fun. L'embarquement est pratiquement fini. Là, on confie nos petits bébés au service de garde Fly and Ride. Il y a un rendez-vous à Las Vegas qu'on va récupérer nos belles machines. Et suivez-nous, vous n'avez pas fini d'en voir. Ça partait fort, on va dire. Première journée de moto qu'on fait, on rentre dans la Valley of Fire. C'est... Là, on est bien excités. C'est la première journée de bike. On a toute hâte de s'en aller dans le désert. Puis Mario nous emmène à Valley of Fire. On n'a pas payé le parking. La première étape, la gang se n'attend pas. Là, ils ont fêté pas mal à Vegas. Ils les emmènent dans Valley of Fire. Ils vont peut-être faire à peu près 100-105 degrés. Ça va leur donner un avant-goût de qu'est-ce que peut être la Dead Valley. La Valley of Fire, ben, c'est des pierres rouges, des décors phénoménales. On se croit sur Mars. Donc, je pense bien que ma gang va triper là. C'était démentiel, époustouflant. Il n'y a pas de mots pour dire c'est quoi. Là, même si on vous montre des photos, c'est comme faut que tu ailles le voir de tes propres yeux. T'as eu avec Fly and Ride, t'as pas le choix. Wow! Ça donne quasiment rien de dire ça à la caméra, parce que je n'avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu des photos, puis je m'attendais pas pantoute à ce que j'étais pour voir. Les images, ça rend pas pantoute la valeur de ce qu'on peut voir quand on est là en personne. Mario nous a guidés là, il a dit « Ok, ici, il y a des routes, rendez-vous, je sais pas trop, à midi ici, allez vous promener, vous avez une heure et quelques, là. Amusez-vous. » Fait qu'on est parti chacun de notre bord, deux dans le bord, un de l'autre, pour rouler dans ces petites courbes-là, avec tous les paysages et les roches qui changeaient à toutes les courbes, c'était magnifique. C'est extraordinaire. C'est comme une place où est-ce que ça c'est venu en ébullition à un moment donné. Les roches, tu sais, puis là, ça jamais de même. Fait que c'est comme vraiment toutes des formes bizarres. Incroyable. On dirait qu'on est sur une autre planète, là. Puis les couleurs aussi de ça, c'est vraiment la couleur, là. Terracotta, c'est le bord du rouge, là. C'est de toute beauté. Là, c'est la partie du voyage qui commence vraiment. Et je dis ça parce que là, je sais ce qui m'attend. Mon travail là-dedans, ça va être de vous faire des séquences vidéo pour mettre justement dans les petits clips que je vous publie. Pour ça, il faut que j'arrête sur le bord du chemin, que je prenne des séquences vidéo de la gang qui passe, que je prenne des séquences vidéo des paysages, d'un peu toutes sortes d'affaires. Ouvre le tow-back, sors l'appareil, sort le trépied, petite marche dans le désert. Au moins, j'ai un petit bout de Martin. En espérant que ce travail-là vous aura plu. On rembarque sur le bicycle et on retourne à rejoindre la gang. Quand je regarde la gang comme ça, je pense à Nancy, Nathalie, ces deux filles qui sont seules, ils n'ont pas le chum avec eux autres.
qui s'embarquent dans un road trip comme ça. C'est vraiment intéressant qu'on soit en groupe, qu'on forme comme une famille, puis c'est sécurisant pour eux autres, je trouve. Écoute, c'est sûr qu'on cherchait de l'eau tout le temps. De la minute qu'on arrêtait, c'était l'eau. Provisions, c'était pour boire ou pour s'arroser. On mouillait nos t-shirts parce qu'il faisait 45 degrés. Puis on rentrait à la chambre de bain, schling-schling devant tout le monde. On enlevait notre gilet, on le mouillait dans le lavabo puis on le remettait. Fait que quand tu sors de la salle de bain, c'est comme tout trempe. La première fois qu'on est allé aux toilettes, moi et Lynn, tout de suite, bing-bang, on se connaissait pas, puis il faisait trop chaud, on voulait mourir. En brassière, toute la gang. Fait que c'est une intimité, ça. Rémi, ça fait longtemps que je le connais. C'est comme mon souffre-douleur. Je le bave bien gros, mais il est tout doux. Fait que tant qu'à baver, tu baves quelqu'un qui est doux. Nathalie, ben, c'est une super pilote dans notre club à Sherbrooke. On a rencontré Richie et Lynn, des sympathiques personnages sur leur fat boy noir mot. Puis Nancy, son soft-tail bleu, muni de beaucoup de sacs et de bagages. On était tous en harlé, mais c'est vraiment juste un add-on. Puis Mario avec son super haut glide. Là, je filme. Après toutes ces chaleurs-là, puis une grosse journée de moto, là on est rentré dans une belle petite ville, puis on s'en allait rejoindre notre hôtel. On a découvert qu'il y avait une belle piscine. Avec cette chaleur-là, mettons que ça a donné à bien. On a tous profité un peu. Et après ça, ben moi, comme à tous les jours, je vais m'en retourner dans ma chambre, je vais sortir les caméras, on download les cartes, on charge les batteries, la tête sur l'oreiller, je vais rêver à mes péchés. Ah, si je filmais pas! Filmes-tu, là? Parce que l'autre fois, j'ai parlé pendant 20 minutes, tu filmais pas. On fait du BCX. La belle vallée à faire, on se dirige vers Mesquite pour ensuite se diriger vers le parc de Zion. Zion, c'est un parc assez spécial. On va aller faire un petit tour de navette. On va aller faire une visite d'une couple de kilomètres à pied. Puis après, on va franchir le parc de Zion dans une route assez spéciale où il y a un long tunnel qui passe sur le montagne. Je pense que le monde va triper là, surtout quand ils vont entendre leur bicycle vromber. Il y avait des tours guidés, on embarquait dans un autobus, on laissait les bicycles là, nous emmenait à différents points de vue. On pouvait descendre l'autobus et aller visiter à pied. On se trouvait à être entre des grosses montagnes de roches. La gang a décidé qu'il faisait une pyramide vivante. Thank you.
était comme entouré des grosses montagnes de roches. On marchait dans un sentier. On a embarqué sur nos bicycles, on est allé dîner. Dégourdis les pattes un peu dans le stationnement. À danse à Rémi! J'ai hâte de partir en bicycle. Nous autres, on avait la remorque à l'arrière. Là, je me disais, on va être capable de tout faire ça parce que c'est des terrains inconnus pas mal. Mais finalement, écoute, ça allait vraiment bien. C'est sûr que c'est pas moi qui conduisais la moto, mais jamais qu'on a senti que ça tirait ou que ça voulait pas suivre malgré toutes les manœuvres de fou qu'on faisait dans ces routes-là. La deuxième journée, on a fait une journée wow, des paysages hallucinants, de la courbe. Moi, j'aime ça, de la courbe, coucher de bicycle, faire frotter, puis wow, puis les paysages. Mais là, de la courbe, il y en avait de la courbe, puis c'est, tu peux regarder partout, à droite, à gauche. Avec le paysage, c'était coupé le souffle. Tu sais plus si tu dois regarder la route ou bien non, regarder le canyon puis tomber dedans. Débile. J'ai jamais de ma vie vu quelque chose d'aussi beau. Après ma blonde, Lynn qui est dans le groupe avec nous autres, elle disait, il n'y a pas de mots. C'est vrai, il n'y a pas de mots. C'était écœurant. J'aurais roulé là toute la journée, dans un tunnel de roche, débile. On montait, on voyait. C'est comme si on montait des étages d'un bâtiment, de voir Lynn et Richie capoter de même. Lynn, elle se promenait toujours en avion en arrière de Richie. À chaque arrêt, Nancy, qui avait le goût, pleurait à chaque fois parce qu'elle voyait des images. Le cerveau n'est pas capable de gérer. Là. Zion, extraordinaire, magnifique, merveilleux, wow, sensationnel, un orgasme. C'est incroyable, les paysages qu'on a vus là. On comprend pas comment que ça peut être devenu comme ça et avoir ces couleurs-là. C'est fou. Pour que Pascal Fournier dise qu'il n'avait jamais rien vu de si beau de sa vie, là, c'est quelque chose. Moi, ça m'a vraiment pogné quand il a dit ça. Je le pensais aussi, mais que lui le dise, tu sais, c'est pas un gars qui est bien démonstratif. Là. Mais ouf! C'est. Essayez d'aller là un jour dans votre vie. Allez voir ce parc-là en particulier, Zion. Si vous voulez faire comme Mario, Nancy, Richie, Rémi, puis Nathalie, puis moi et Manon, bien sûr, mais des voyages de même, ça se prépare. C'est pas fait juste pour les autres. Pis c'est sûr qu'il y a de la préparation. Fly and Ride nous guide là-dedans avec Mario. Mais nous autres, on a des devoirs à faire. C'est où qu'on veut aller? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment avoir? À cette heure, on a Internet pour ça. C'est trippant, on peut aller voir les vidéos justement comme vous êtes en train de faire. Appelez, informez-vous. Martin Bessette, il est là pour ça. Mario Soulière, il est là pour ça. À
attendez pas qu'il soit trop tard, puis vous vous dites encore, ah, ça va être peut-être pour l'année prochaine. Si pour l'été 2018 tu veux partir, ben embarque tout de suite sur ton clavier. Nathalie, je pense qu'elle l'a trouvé raide. Moi, je connais Nathalie, ça fait un bout, là. Mais quand on a monté Zion, des falaises puis des falaises, là, elle a découvert qu'elle avait le vertige. Elle a arrêté sur le bord. Elle n'était plus capable. Les nerfs ont lâché. Mais on était un groupe, fait qu'on a arrêté avec elle, on l'a laissé décompresser. Puis c'est vraiment, les nerfs ont lâché, à un moment donné, elle a sorti ce qu'elle avait sorti. Puis là, elle s'est comme rendu compte de tout ce qu'elle venait de voir. Là, puis moi, j'étais fier d'elle. Une fille comme ça, là, Nathalie, Nancy, deux filles tout seules, qui veulent rouler, à part avec un groupe, pour deux semaines de temps, dans des chemins qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas, d'un autre pays où ils s'embarquent dans un trip comme ça. Un coup, tu embarques sur ton bicycle quand tu pars de Vegas, c'est fini, tu n'as pas le choix, là. Tu suis à la gang. Là. Ben moi, là, je lui lève mon chapeau. C'est la façon idéale, justement, pour s'embarquer d'un groupe comme ça, un voyage organisé. Puis à la gang, ben, on forme comme une petite famille, là. Fait qu'on s'est tous... on a tissé des liens, on est tous contents de se voir. On a le goût de s'aider, on est content de voir l'autre content, c'est trippant bien là. On est arrivé sur le top de la montagne, on était à peu près à 9000 pieds d'altitude. Il y avait deux ravins chaque bord, puis il n'y avait pas de garde-fous. Lynn, en arrière de moi, était debout de ses pédales, les deux bras dans les airs avec la caméra, puis essayer de filmer le plus creux possible dans la falaise. C'était vraiment impressionnant. Il y avait une falaise là, puis... Tu regardes la rue, puis là, j'ai vraiment paniqué, là. Je regardais la ligne jaune, puis je me disais, non, regarde juste la ligne jaune, parce que si je regarde là, le bicycle va aller où qu'on va. Regarde la ligne jaune. J'étais vraiment, là... J'en ai eu pour mon argent, vraiment. J'ai vraiment eu peur. J'ai le vertige. Là, j'ai appris que j'avais le vertige. Je savais pas que j'étais... Mais ça a été vraiment un beau voyage. On a fait des parcs cette journée-là. C'était des courbes, des paysages. Je pensais même pas qu'ils existaient. Mais Zion, ça dure, c'est, tu tournes, c'est un autre carte postale, tu regardes ailleurs, c'est fou, puis ça dure vraiment longtemps. Hein? Je pensais pas qu'il y avait autant d'amateurs de voyage, ça fait vraiment plaisir à voir puis à lire tous vos beaux commentaires. Vraiment, avec la vidéo de Zion, vous m'avez donné du gaz. Arriver à Brest. Je les emmène à l'Inspiration Point où on va voir des gros champignons dorés partout dans un canyon phénoménal. Dans la même journée, c'est comme si tu changeais de pays trois fois. Après ça, on commence à reconnaître les paysages de Brest tranquillement, plus qu'on se rapproche. Une fois qu'on était sorti de Zion, puis ce spectacle incroyable, on a passé à un endroit qui s'appelle Red Canyon. Pour nous, ça, on n'a pas vraiment vu un canyon, mais on a passé près de roches ou formations rocheuses d'un rouge incroyable. Un rouge, là, feu.
J'aurais voulu arrêter là, c'est sûr, pour prendre un petit morceau de ça. Garder ça avec moi parce que tout ce que je peux avoir maintenant, c'est des photos, des souvenirs dans ma tête. Mais j'aurais beaucoup aimé arrêter là. Aussi, on se promène, tout d'un coup, on a passé en dessous des arches de roches. Les affaires de fou, moi, je disais, on dirait qu'on est dans une ride à Walt Disney, là. Tellement c'était beau puis qu'il y avait tout le temps des affaires qui arrivaient. Bryce, on est obligé de débarquer de nos bikes. On marche un peu comme quand on va voir Grand Canyon. Moi, je me dépêche à arriver avant la gang pour être capable de capter leur réaction quand ils vont voir ce beau spectacle de roche-là. C'est vraiment dur à comprendre comment la nature peut arriver à faire des œuvres d'art aussi spectaculaires. Aïe, aïe, aïe. Bryce, moi, j'avais vu des photos de ça, puis c'est comme, voyons donc, ça se peut pas, là. Ça existe vraiment, cette affaire-là. Hey, t'arrives sur le top de ça. C'est sûr que nous, on l'a vu en hauteur, puis c'est inimaginable, les formations rocheuses qu'il y a là, les variations de couleurs. Le voyage, il est pas terminé. Il commençait pas là. C'est sûr qu'il y a déjà d'autres vidéos qui sont faites. Il y en a d'autres à venir. Si vous voulez pas les manquer, bien allez sur YouTube plutôt que sur Facebook. Écrivez mon nom, Pascal Fournier. Puis vous allez tout voir le répertoire de mes vidéos. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme je le dis tout le temps. Puis de cette façon-là, bien, chaque vidéo qui va sortir, bien, vous allez avoir accès plus facilement. Après ça, il y en a d'autres. Notre road trip a duré 2 semaines. 2 semaines écœurantes. J'espère vous donner le goût un petit peu de voyager. Rendu chez nous, on a regardé un peu comment ça se fait que ça existe, Bryce. Et puis, on a vu que c'est ça, c'est des fonds marins qui datent de millions d'années. Puis, cette formation rocheuse-là, elle est comme jeune par rapport à d'autres endroits comme le Grand Canyon. On a fini ça à Brenantes avec le coucher de soleil. C'était tout calme comme situation. Là, on pouvait un peu redescendre notre rythme cardiaque. Tomber 2 pieds sur terre un peu. En tout cas, on pourra dire que la journée Sion Bryce, elle va être gravée dans notre mémoire. Et aussi, après, rendu à la maison, j'ai regardé la map de Bryce et puis j'étais époustouflée de voir comment grand c'était, c'est immense. Puis finalement, j'ai vu qu'on a vu juste une petite partie de ça parce que c'était 30 fois plus grand que ce que nous, on avait vu, là. J'étais déjà émerveillée de ce qu'on voyait. Après que Martin Bessette, le Flying Ride, nous ait droppé nos bicycles à Vegas, ben, toute la gang, Rémi, Mario, Richie, moi, Manon, Lynn, Nathalie et Nancy, ben, au 4e jour, on est rendu ici. Sécheresse intense, blessure inquiétante, tornade multiple. C'est ça que vous allez voir. Mais ce qui peut vraiment caractériser notre road trip 2017, ça a été l'expérience, les épreuves. Wow! Bien beau les feux d'artifice, là. Mais vivre un voyage, c'est pas comme faire un voyage. Après, les paysages coup de cœur comme le Valley of Fire, Zion, Bryce Canyon, on est rendu dans des étendues. C'est complètement différent, mais aussi trippant. Quand tu t'embarques dans un road trip comme ça, tu peux pas tout prévoir. C'est sûr qu'il va y avoir des adaptations ou des imprévus. Faut toujours être prêt à s'arborer sur une scène. Ben, fais-toi un popcorn. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, Pascal Fournier. Assieds-toi avec ta blonde ou ton chum,
et donne-toi le goût de voyager. Après ça, là, partage cette vidéo-là parce que t'as sûrement des amis qui ont le goût de voyager aussi. Vraiment chanceux d'avoir cette option-là de voyager avec un transporteur. Pour moi qui a juste 2 semaines de vacances avec la construction, bien, ça me donne la chance de rouler dans les plus belles routes sans être obligé de prendre 2 semaines pour y aller et 2 semaines pour revenir. C'est-tu pas merveilleux ça? Ça, c'est sans compter tous les hôtels qu'on sauve parce qu'on n'a pas besoin de coucher 1 mois de plus. 2 semaines de vacances et je roule en Californie. Ça fait des gros voyages quand même assez abordables. Vécu de la sécheresse nasale. Là. Je roulais, il ventait tellement, c'était tellement sec que ça me faisait mal à respirer par le nez. Mais t'es obligé de se mettre du push-push dans le nez pour s'hydrater tellement que ça venait sec que les narines nous collaient ensemble. Une des épreuves qu'on a eues pendant ces journées-là, ça a été les vents. Les vents intenses qui lâchaient pas. Ça faisait lever la poussière au loin, là. On voyait des nuages de poussière. Un de mes rêves un peu tardés, c'était de voir une boule de paille traverser la rue. Ben, mon rêve y a été exaucé. Saloon, là, le Overland Saloon qu'il appelle, c'était vraiment un saloon. On a jasé avec un cow-boy dans le bar qui avait des terres aussi grandes que le Québec au complet. On est reparti de là avec des beaux souvenirs. On arrêtait dans des beaux petits villages pour coucher dans des bed and breakfast. Il y avait des chevreuils, je les ai filmés un peu avec mon coléoptère. On a monté là-dessus de toute beauté. Une grosse roche en plein milieu du village, pourquoi pas?
Moi, je marche un peu dans le désert parce qu'à chaque fois que je débarque, je cherche tout le temps des bébites. Moi, j'aimerais ça voir des serpents, des scorpions. On voyait absolument rien. Pas un char, pas une personne à l'horizon. Tout d'un coup... Wow! Tabarouette! On t'a fait un méchant saut. Il y avait des avions de chasse qui survolaient ce territoire-là. C'était un bang supersonique. Il y avait des ranchs ouverts où on ne voyait pas aucun bâtiment, aucune population, mais des vaches sur le bord du chemin, pas de clôture, des étendues à perte de vue. M'amener en moto, là, des gros voyages, il n'y a pas le choix de me donner ma dose de magasin country! Yeah! On a arrêté d'une petite ville, fait plaisir à ma belle Manon pour rentrer d'un country shop. C'est de quoi qui me touche vraiment, c'est quand je vois des croix sur le bord du chemin avec des morceaux de moto qui indiquent que le motocycliste a perdu la vie dans ce coin-là. Je peux pas m'empêcher d'arrêter et de me faire une minute de silence à l'intérieur de moi. Là, on avait le vent, on avait la poussière, on avait les tornades. Il y en a une qui a passé direct en avant de ça. Cool! Là, ben, avec mes niaiseries, mon voyage a failli arrêter drette, là. J'ai voulu aller coller mon sticker sur la pancarte du Nevada, qui était vraiment haute. J'ai sauté, puis quand je suis retombé, je me suis foulé la cheville après la base de la pancarte. Oh! J'étais certain que je m'avais cassé la cheville, là. J'ai eu une douleur, là. Mon pied est venu noir. Je pensais que mon voyage venait de se finir drette là. Moi, dans ma tête, là, il fallait ramener ma moto à Martin de Fly and Ride dans la van à Vegas, puis que je me loue un char, puis que ma blonde soit obligée de finir le reste à conduire. Ça, c'est une capsule une fois par jour. Merci. Ça, c'est une gang de solidaires en crise. Hey, vraiment, là, j'ai trouvé ça cool. Fuck le sticker, là, mais vraiment, là, ils sont fait la courte échelle, puis ont collé mon sticker comme faut. Un road trip comme ça, c'est rempli de wow, de feux d'artifice, d'émotions intenses, puis d'avaries comme ça aussi. On peut pas s'empêcher de faire un road trip parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose. Parce que si t'es un voyageur, tu sais que veux pas un jour il va arriver quelque chose. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça s'arrange tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un pour nous aider. Quand t'es un voyageur, les gens veulent t'aider. Ça met toujours une belle fin à nos histoires. À cette heure, quand je pars en voyage, c'est même plus une crainte. Ben, je pars, s'il arrive de quoi, on verra rendu là. Parce que des histoires à vous raconter, j'en ai. Nice, les gars. C'est loin d'être terminé parce que le prochain vidéo que je vais vous sortir, vous allez voir que des conditions météorologiques, on en a vu de toutes sortes. On a passé d'un extrême à l'autre. On va manger des crêpes? Oui. Dans la même journée, on a passé de la neige à la plage. On a mangé des bonnes crêpes en se levant, puis on en avait besoin. Dans les bed and breakfast, on a été reçus comme des rois. Mais à Benton, c'était vraiment spécial. L'eau des spas extérieurs, l'eau de la fontaine, puis des toilettes, était chaude naturellement. Eux autres, l'eau chaude ne fait pas monter leur facture d'électricité. J'étais un peu handicapé avec mon pied, mais ça m'empêchait pas de faire voler mon drone. J'ai libéré mon drone pour vous faire voir un peu l'ambiance champêtre qu'il y avait autour de ce
bed and breakfast là, que j'ai visité avec Rémi en me servant de mon trépied comme canne. Ben moi, j'ai un souper de Noël, Pascal, qui me parlait d'un de ses trips, là. Ça m'a pogné au cœur, un voyage en moto, c'est encore plus. Puis là, c'était ma fête de 50 ans dans un mois. Puis j'ai dit, ah, je devrais me payer ça, un gros trip, pour mes 50 ans, en bicycle à gaz, puis dans un groupe pour me sentir plus en sécurité, là, puis ouais. On s'en va franchir les rocheuses. Va falloir s'habiller. Mario nous l'avait vraiment dit, là. Habillez-vous. Nous autres, on est des bikers, on en a vu d'autres. On est tough. Après les sécheresses des journées précédentes, le sable, les déserts, la terre toute craquée, les petits cadeaux que les animaux nous laissaient dans le désert. Ben beau, il va faire fret, mais il fera pas si fret que ça. Hein. Ici, la planète a l'air pour sec. Nos photos avec les cactus, ça c'est fini ça là. Ben, comme Mario nous avait dit, il a fallu arrêter sur le bord du chemin et s'habiller plus parce que il commençait à faire fret pas mal. Voir des montagnes de neige en haut, là, quand j'ai vu les paysages, c'était vraiment wow. Mais un coup dedans. Yo, c'est fou, Yosemite. T'atteins des montagnes, puis j'ai surmonté des montagnes, je te le jure. Toutes mes peurs, tout mon stress, il a passé à Yosemite. J'ai goût de pleurer. C'est épouvantable ce que j'ai vécu. La neige, je cherchais mon wiper, j'en avais pas, j'étais pas en charge, j'étais en moto. À moins 3, puis il y a une petite tempête de neige. Mais c'est pas dangereux, à fond au fur et à mesure sur l'asphalte chaude. Et là, on doit affronter des routes fermées à cause des avalanches. Donc, un détour est prévu. On se dirige vers le lac Tahoe. Hey, des chemins barrés. On a réservé l'autre bord des montagnes, nous autres. Là, faut ça, là si on veut se coucher en quelque part. Là. Pour traverser le parc de Yosemite, on était supposé passer à Tioga Pass, puis là, ça a rallongé notre voyage parce que la pause était fermée, fait qu'il a fallu faire quasiment le trois quarts du parc et le contourner pour pouvoir traverser à la dernière pause. Là, c'était vraiment une tempête de neige. You, on est au mois de juin, on est dans notre bicycle à l'autre bout du monde, puis il y a de la neige. Vraiment, là, visibilité nulle, là. De la neige partout. Tu vois de la neige qui reste collée ces motos, là. Et c'était quelque chose. Je me suis dit, on s'en va dedans, Saint-Crème, puis là, il commençait à faire frappe. Il y avait de la neige dans le windshield, là, je voyais rien, j'étais juste. Je regardais mon windshield, mes lunettes, puis je me cachais un peu. Puis... Mais je suis bien fière d'avoir fait ça, là. C'est vraiment hot, là. C'est une affaire checklist. Je pense qu'on était tous dus pour prendre un petit break, là, puis boire un bon café. Là. Un vieux magasin général, un vieux chac, puis c'était marqué liqueur, ça venait d'un magasin général, quelque chose de bien. Fait qu'on a arrêté là, puis il neigeait encore, puis on est rentré là-dedans toute la gang, puis il y avait un poêle à bois allumé, comme un oasis dans le désert. C'était quelque chose à créer. Je me suis endormi. Ça a l'air qu'il y a eu une tempête.
avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtes, mais je les ai pas vus. Je dormais. On s'est ramassé dans un petit shack. Quand je me suis réveillée, on était dans un petit shack. Puis avec un poêle à bois, puis c'était super. Sérieux, là, si vous avez peur de faire de la moto, si vous avez peur, là, aller Fly and Ride, là, puis aller à Yosemite, je vous souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Ça m'a vraiment enlevé toute cette peur-là, ce stress-là de rider en moto. En à mes pieds d'altitude dans la neige, c'est... non, c'est wow! C'était vraiment débile de rouler là-dedans. Là. Moi, j'avais la chienne. Là. Mais non, la neige, elle fondait à mesure. J'ai encore 5 jours, 6 jours à faire, mais c'est d'autres expériences. On en parlera après, des autres expériences. Mais Yosemite, yes! Je manque d'images vidéo de la tempête parce que ma caméra était pleine de neige. On a eu notre récompense, mais on a fini ça sur le bord de la plage, à Malibu. Mais non, on n'a pas vu Pamela. On pense tout connaître la Californie, mais ce qu'on voit dans les films, c'est vraiment juste une partie qui nous montre. Mario nous l'avait dit, c'était des épreuves, des expériences qu'on allait vivre dans ce voyage-là. Je peux dire là, que c'est vraiment des belles expériences. Là, moi, là, j'ai capoté bien raide. Tu passes de la peur aux émerveillements dans le temps de le dire. Je suis vraiment content d'avoir vécu ce trip-là. Nancy a rencontré son oiseau rare enfin. Mais là, après une photo, il a fallu qu'elle explique que le Québec, c'est un petit peu trop loin. Fait qu'il revirait de bord bredouille. Après cette journée-là, là, on avait vraiment le goût de manger un bon repas. On était sur un quai, il y avait un restaurant style spectacle. Et là, on s'est payé à la trip. Ça a bien la donnée parce que le cuisinier a souligné le 50e Nathalie. Fait que ce repas-là, il avait vraiment sa place. Que partir un voyage comme ça tout seul, je ne l'aurais jamais fait de ma vie parce que c'est un voyage organisé, ben c'est ça, je me sentais vraiment en sécurité. Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas dans la montagne, mettons qu'il y avait une tempête de neige puis je pogne le clos. Puis, mais ça, c'est vraiment le rêve de ma vie. Puis tout seul, je ne l'aurais pas pu le faire là, mais en groupe comme ça. Voilà. Qui va au matin, monsieur le. J'ai tout donné, là, Pascal, qu'est-ce que tu veux? Fait que moi, ben, je suis pas un professionnel. À tous les soirs, je les sollicite. J'essaie d'avoir des petites interviews. Il avait arrêté! J'interview, puis j'oublie de partir la caméra. Non, mais ça filme plus, là. Ça a été une gang vraiment dévouée, là. Ils m'ont aidé là, à faire mes vidéos. C'est pas fini, là, mais je veux vraiment les remercier. Toute la gang, là. Puis tu sais, comme dans les films, là, le monde vont jamais mettre du gaz, ils vont jamais aux toilettes, ils arrêtent jamais de manger, là. Puis je vous mets ça d'un petit condensé. De Fly and Ride. Allô? 1, 2? Allô? Ah! Hey, salut Martin! Ça va? Oui, c'est Martin Bessette. Tu étais en train de faire la vidéo? Ben, je m'apprêtais, j'arrive de travailler et je vais recommencer à travailler là-dessus. Ah, ouais? Bon, ok, je l'appelle à temps? Oui. Non, mais je suis allé à Oxbury au Bikefest et puis tout le monde me parlait de tes vidéos, c'est super. Et puis, vu que le monde, je vois qu'il regarde ça beaucoup, j'avais l'idée d'offrir 100$ de rabais à tous ceux qui bookaient avant la fin de l'année.
avant le 1er janvier pour les destinations 2018 qui sont toutes sorties sur mon site internet. Là. Sérieux? Toutes que, les ouais, 100 piastres de rabais à tout le monde qui vont booker avant. Fait que c'est pour ça que je t'appelle pour savoir si tu peux pas l'inclure dans la prochaine vidéo. Là. Ben, tu vois, le téléphone a sonné et les caméras, ils rentrent. Fait que d'après moi, tout le monde t'entend. Fait que dans le fond, c'est moi-même qui va l'offrir envers mon appel, quoi. Ouais, c'est ça, là. Non, comme... ben, ça ne peut pas être plus live que ça. Fait que... Tout le monde, ouvrez bien vos oreilles, 100 piastres de rabais à tous ceux qui bookent une destination 2018 avant le 1er janvier 2018. Fait qu'on parle de destination pour le Bike Week à partir de 800$ à aller à 1000$ pour Vegas, la route 66. Fait que mon site internet flyandride.ca, allez voir ça. Ben, je vais mettre ça en lien dans la vidéo. Puis, je suis en train de finir le sixième, là, puis c'est pas pire. Il y a des émotions là-dedans. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, c'est super, d'abord, je te laisse travailler. Ben, je te remercie, puis tout le monde t'a dit salut. Ben, c'est bon, merci, salut tout le monde. Salut Martin. Bye. C'est ma petite fille. Tout le monde, ouvrez bien vos oreilles. 100 piastres, 100 piastres, 100 piastres, 100 piastres, 100 piastres. Nous sommes devant. Devant quoi? Parce que moi, j'arrive pas à le dire. L'extraterrestrial highway. Et donc c'est à cet endroit que tout le monde vient faire sa petite photo. Tout le monde vient déposer un petit peu une preuve de leur passage, on va dire ça comme ça. Il y a un mec qui a fait sa pub sur YouTube. Pascal Fournier est sur YouTube. Donc le mec, il a carrément venu, il a posé ce truc, il a fait sa pub quoi. Un vlogueur sur YouTube a découvert mon sticker sur la pancarte de la zone 51. Ce vlogueur-là, il a 1 700 000 abonnés. Je me suis mis à recevoir des messages sur YouTube. Pas possible. Pourquoi j'ai dit ça fait croche dans le voyage? Faites juste reculer votre chaise. Prenez le temps de regarder ça. Puis imaginez-vous à notre place. J'ai dû me battre avec une espèce de monstre marin pour défendre le groupe. N'oubliez pas que Martin, dans notre dernière vidéo, nous a offert 100 piastres de rabais à tous ceux qui bookent avant le 1er janvier 2018 pour les destinations été 2018. Profitez-en! Ceux qui s'initient vlogueurs ou qui veulent des images de drones, mais pour un moto-vlogueur, de traîner ça en moto, c'est idéal. Il se replie sur lui-même, il fait un petit format de poche, quand même gros pour une poche, il est vraiment pratique, une qualité d'image incroyable. La télécommande en main, elle se prend très bien et il est très facile à contrôler. C'est le Mavic Pro de DJI. DJI, c'est une compagnie très réputée. Le Mavic Pro, il est muni aussi de GPS. Quand tu le mets en marche, il t'indique les endroits où les drones sont interdits. Il t'empêche même de décoller si la zone est interdite. C'est vraiment un drone complet point de vue qualité-prix.
And I know that this love was surely sent from up above. Un autobus à crème glacée. Belle même avec des casses. On est à Santa Barbara, ce qui font plein de films puis des sauts là, tu sais, les émissions d'après-midi là, je sais pas trop. Santa Barbara. Et après ça, le pier Whitefield. C'est ça le pier. Maman, on est à Santa Barbara. Imagine-toi sur le pier, la plage qui est là. Puis, ben, c'est ici, il paraît qu'ils font l'émission, quoi? Top modèle, top amour. Les émissions d'épicerie, d'épicerie. D'après-midi, quand t'écoutes, là. Je vais mettre ça en lien dans la vidéo. Ben, c'est super, d'abord, je te laisse travailler. Ben, je te remercie, puis tout le monde t'a dit salut. Ben, c'est bon, merci, salut tout le monde. Salut Martin. Bye.
bonne, man.
Moi, le son que j'aime le plus, c'est quand que j'entends un bicycle. Le son que Manon, elle aime le plus, c'est ça. Moi, j'aime ça être assis sur mon Harley. Elle aime ça être assis sur une serviette.